Alors on est prêt pour la deuxième journée de Via Ferrata. Alors, Francky s'échauffe un peu. Voilà. On va commencer par la Via Ferrata del Trinche. Voilà, échauffement. Alors, on est là dans la partie un peu délicate de la Trinche, c'est le départ. Et on a une magnifique vue sur la Marmelade, le plus haut sommet des Dolomites. À 3348 mètres à peu près. Alors nos amis ferratistes derrière, il y a une très bonne ambiance sur la via, très très bonne ambiance, super. Voilà, sur la Trinche, il y a une petite variante, toute neuve de cette année apparemment, câble bien neuf, Cleanster Mten, enfin quelque chose comme ça. On va rejoindre Franck. Gilles d'un côté, Franck de l'autre. Et on continue sur la Trinche, juste en face de nous. On va visiter les galeries. C'est parti. Il y a des annexes hein, par là. Hein. Faudra passer à gauche après là. C'est parti, on continue. Ouais. Bon, ça, c'est dommage de sortir de l'autre côté. Oh, on peut visiter les salles. Ouais, elle est un peu humide cette salle-là. Hop. Alors on est content d'avoir le casque parce que de temps en temps ça frotte le fond. Ah, ils sont là les escaliers. Ah, magnifique. Petite sortie annexe encore ici pour avoir vu sur l'ennemi. Une deuxième série d'escaliers.
faut savoir que toutes ces galeries, bah, les militaires restaient stationnés 3, 6 mois, même plus longtemps. Donc il leur fallait quand même des couchages, de quoi manger, l'hôpital. On va le voir. Allez, sortie de la galerie. Voilà Gilles, en pleine action, avec une vue magnifique sur le lac Feder. Et au loin, ici, la Via Ferrata del Trinche, qu'on a fait il y a deux jours. Ça va Gilles? Ça va, ça va. Attendez pas, mais là on descend. Ouais, je crois que t'es arrivé, on a la fin de la Via Ferrata Eterna, Brigade del Cador. Il y a la remontée mécanique qui monte les gens de la vallée. Et nous, on est redescendu sur le glacier qui va nous accompagner gentiment sur la droite, là-bas au fond, tout au fond à droite, au parking. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé, Franck, de cette descente? Ouais, c'était super. Alors, aujourd'hui, on est prêt pour la Via Ferrata del Messoulé. 200 mètres de verticalité. Allez, c'est parti. Alors nous voilà dans la partie del Messoulé qui n'est pas équipée, il n'y a pas de câble. Voilà, c'est un petit passage de 1, un petit passage de 2.
en escalade tranquille. Voilà, il n'y a toujours pas de câble dans cette portion. On va rentrer dans la cheminée, juste devant. Voilà, donc là on a une petite portion sans câble. Une petite portion sans câble. Direction pit. C'est bien. Bien, alors qu'est-ce que vous en avez pensé de cette Via Ferrata de Messoul? Très belle Via Ferrata qui peut se faire en grimpe. C'est sympa. Et toi Gilles, qu'est-ce que t'en penses? Elle fait partie des incontournables du coin. Hein. Thank you.
bouchonne un petit peu. On patiente. Les mots, tu te crois, ça fait, ou... Voilà, on a une belle démonstration par Franck. Hein, qui passe en libre. En libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est en train d'escalader, tout simplement. Et la ligne de vie ne lui sert que pour mettre ses longes. Voilà. Donc en fait, il touche pas au câble. Contrairement à nous, qui faisons de la via ferrata et on attrape le câble. Une belle fissure, hein. Là-bas au moins. Alors, nous voici au parking pour commencer la via ferrata de la brigade Tridentine. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Tac, 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 tac. Alors, comme vous pouvez voir sur le poster, il fait beau, hein. Sinon, notre temps à nous, ça sera ça. Ça va, Gilles? Voilà. C'est un petit peu bouché ce matin, mais bon, il faut sortir en tout temps. Le départ doit être quelque part par là. Allez, à tout à l'heure. Ok. C'est le Golombier qui vient faire le... Allez, c'est parti pour la deuxième partie de la via. On a toujours une belle météo de montagne. Thank you.
Ah, c'est bien. Ouais, c'est sympa. Bien, bon, on a la pluie qui se réinvite. On va pouvoir mettre les Gore-Tex, là, une petite niche. Alors, on est arrivé à la passerelle. Voilà, juste devant. Bon, c'est dommage, on n'a pas la vue. Sur la tête, ouais. Nous voilà au refuge Pichkiadou. Gilles, j'ai fait rata par tout c'est le temps. C'est une expérience, mais c'était sympa. Voilà, donc on vous conseille de le faire, mais par contre en toute sécurité. Voilà, on vous laisse, on amorce la descente.